Bien là. Oh,
Yeah.
Allez,
Attention, messieurs les arbitres. Match amical, je vous le répète, s'il vous plaît. Hein. Pas de couvre. Merci. Allez, c'est parti. Attention,
encore. En fait, c'est la quatrième édition de l'arc-en-ciel. Nat et Julie, on peut les applaudir quand même. Et également l'équipe Arc 3. Vainqueur par deux buts à Lyon, sous le soleil, sous le ciel unifié, en ce quatrième tournoi de football organisé par l'arc-en-ciel. À ce tournoi. Et il y avait, donc je vais vous les citer dorénavant, il y avait le Bar des Granges, le Béléton, Magadamiéton, la Renaissance, le Bar des Sept Colonnes, le Marcus, le Secteur, le Tempo Club à Monterrey, le Discothèque. Voilà, je vous remercie parce que théoriquement, ce tournoi de football, eh bien, c'est un tournoi inter-discothèque. Et eh bien, ce grand discothèque que vous avez aidé, eh bien, je tiens à féliciter en ma personne et au nom du club que je représente, eh bien, les discothèques qui ont été présentes cet après-midi, en l'occurrence le Tempo Club. Alors le magasin Nat et Julie, le bar La Retourne à ma mère, le Point de l'Enfant, la Mare au Diable, qui est une discothèque également à Caen, le Monopole, une discothèque et aussi à Argentan, le bar L'Équipe, le Campanile, qui nous ont reçu ce soir pour le buffet, le Coup de Salut, le Poissonnerie à l'Enfant, représenté par Patrice, et le Garage Sport. Puisque l'on parle du Garage Sport, je tiens à remercier personnellement Bertrand Super qui nous a amené, donc qui nous a prêté dans son véhicule haut-parleur pour l'organisation de ce tournoi à la Plaine des Sports. En l'occurrence, je remercie également l'Office municipal des sports de la ville d'Alençon, disons, pour le prêt du terrain. Donc, en l'occurrence, c'est monsieur Noël qui s'est occupé, pardon, qui s'est occupé donc de placer les véhicules, de nous installer les buts, etc. Monsieur Noël, donc, qui fait partie de l'Office municipal des sports. Et l'accord, bien sûr, c'est de monsieur Soix. Voilà. Je voudrais remercier également, car je ne l'ai pas fait, nous avons fait des manifestations ce dimanche dernier. Il y avait la ville, la mairie, voilà, avec monsieur le maire, monsieur Lambert, ainsi qu'un de ses proches, c'est monsieur Bresto, qui nous a prêté un porte-voix quant à l'organisation. Je la salue ce soir, puis il y a des amis qui sont présents, et bien vous ne manquerez pas de lui faire la commission. Que vous dites un petit bonjour. Voilà. Étaient présents cet après-midi également deux journaux locaux, et bien il y avait L'Or Métro et Ouest France. L'arc-en-ciel remercie le CSA, puisqu'il nous promette chaque année eh bien, des ballons, des sifflets et un chrono. Exceptionnellement, cette année, je peux dire, le chrono, c'est le terme qui nous a prêté. Voilà. Contrairement à d'habitude, eh bien, avant de présenter toutes les équipes qui ont joué exceptionnellement cette année, nous avons décidé de faire autre chose. Nous tenons plus particulièrement à remercier tous les établissements qui engagent des équipes. C'est vrai que pour l'arc-en-ciel engage beaucoup d'équipes. Nous avons le temps, mais peut-être pas le mot, pour la soirée de nos clients. C'est vrai que nous brassons, le mot brasse, c'est pas le mot, mais nous brassons énormément de monde. Et bien, il y a des établissements comme des magasins de vêtements, des bars qui, pendant leur temps de travail, eh bien, discutent avec leurs clients. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est ce que nous faisons énormément chez nous. Et nous apprécions qu'il y ait des établissements, bars, magasins de vêtements, etc., qui font exactement le même procédé que nous. Alors pour cela, nous avons décidé cette année de remettre un prix d'abord, un prix, un lot, quelque chose d'exceptionnel, à tous les établissements qui ont gagné des équipes. Alors pour cela, je vais donc appeler un responsable ou un directeur, enfin, un responsable de chaque établissement qui va venir seul sur la piste, donc à mes côtés. Mais avant, j'aimerais vous signaler que les coupes, les médailles et tous les trophées, eh bien, vont être remis par Marie-Christine Ballas. Équipe besoin de présider, 1889, victoire à Saint-Pierre, 89, on applaudit Marie-Christine. Cet après-midi, vous avez été donc arbitré par quatre jeunes hommes. Je vous demande de les applaudir. Ils vont venir me rejoindre un par un. Il y a Olivier, Tristan,
le bar La Rotonde, à Mamers. Le bar responsable de La Rotonde. Voilà. Son prénom. Alain. Alain, ah ben voilà. Et Alain, c'est le meilleur, ça, il paraît-il. Merci, merci. On a de la chance, Alain. Je vous demande, c'est si vous avancez un tout petit peu, c'est moi qui suis trop en recul parce qu'il y a des gens au premier étage, j'aimerais quand même bien vous voir. Voilà, c'est avant, Alain. Il y a également le point d'Alençon qui est représenté par Claude, je crois. Une matrice de disques, voilà, nous avons collé à notre volant et nous avons mis bien un système d'horloge tout simplement. Cette horloge peut s'accrocher. Voilà, donc pour les habitants de la région, on peut en venir. Monsieur Lamar, là, regarde, voilà, il a fait tomber. Mais il a bien face à l'objectif. Voilà. Et qui corde et tout salut. Je vois que ses cordes, il leur manque un joueur. Il... C'est parfait. Je vous dis, tout comme un premier start, C'est écrit dessus, c'est comme un salut. Maintenant, bonne fin de soirée, on se retrouve.